1717, François Ier choisissait cet endroit de la grève normande, dit lieu de grâce, pour fonder un havre où navires et vaisseaux puissent aisément arriver et sûrement séjourner. Durant 4 siècles, cet embryon de port qu'une simple chaîne pouvait obstruer ne va jamais cesser de croître et d'empiéter sur la mer jusqu'à devenir la porte océane de France, Le Havre. En 1935, la double inauguration de la gare maritime et de Normandie consacrait l'apogée de ce grand port. 10 ans plus tard, tous ces efforts allaient être anéantis. Les innombrables bombardements aériens, les destructions méthodiques des Allemands avant leur capitulation, le siège subi du 4 au 12 septembre 1944, firent de cette malheureuse cité, lors de sa libération, un vaste champ de ruines. La ville neuve, comme les pittoresques quartiers du vieux port, était totalement anéantie par les bombes et les incendies. Le Havre semblait touché à mort. Dans les jardins publics, ces poignantes petites croix que les guerres alignent, innombrables, signaient le sacrifice de 5000 Havrais. Mais les survivants à cet effroyable désastre donnèrent à leurs morts des sépultures et rendirent au jardin leurs fleurs. Et ces fleurs, écloses sur des tombes parmi les ruines, éclatèrent comme un gage de survie pour la cité. Dès le lendemain de la libération, les équipes de déblaiement se mirent au travail. 3 semaines plus tard, grâce à l'effort de la population havraise, les maisons d'habitation préservées furent consolidées, certains édifices publics et les voies principales dégagées de leurs ruines. Des matériaux, hâtivement récupérés, s'amoncelèrent sur l'immense plateforme désolée qui portait la ville moderne. Des baraques et des habitations provisoires furent montées en un temps record. Sur les ruines de l'ancienne bourse, un nouvel édifice sorti de terre en 50 jours. Les 35 000 sinistrés totaux de la ville furent relogés, tant bien que mal, dans des camps abandonnés par les troupes alliées, dans des caves, des blocos et enfin dans ces constructions provisoires. Les décombres d'une des artères les plus vivantes de l'ancienne ville, une nouvelle cité commerciale surgit en quelques mois. La municipalité, l'entraide française et la Croix-Rouge vinrent au secours des innombrables détresses dans la ville et jusque dans les forêts avoisinantes où des villages s'improvisèrent rapidement. Les enfants purent enfin oublier, dans leurs rondes insouciantes, l'épouvante des nuits maudites. Les Havrais se tournèrent alors vers l'objet de leur plus profond amour, leur port. Ce n'était qu'un extraordinaire chaos de ferrailles tordues, de blocs de béton à longue chevelure d'acier, d'épaves broyées par les explosions. La passe était impraticable. Avant leur capitulation, les Allemands avaient coulé des navires pour obstruer l'entrée du port. Cependant, un étroit goulet de 80 mètres subsistait. Quelques semaines, grâce à l'aide de l'armée américaine, au courage et au dynamisme des ouvriers et des cadres du port autonome, les épaves purent être relevées. Amenées depuis dans un cimetière, on termine actuellement leur découpage. Cette bigue de 200 tonnes attend la proie qu'un scaphandrier vient de sectionner au chalumeau. Ses compagnons le délivrent, tel un chevalier de sa lourde armure. La bigue va crocher sur l'énorme morceau de coque à arracher.
Les câbles se tendent et le scaphandrier satisfait peut voir le bloc de ferraille de 180 tonnes qu'il a tranché se balancer dans l'air avant d'être déposé sur un pont. Les épaves relevées, il restait à nettoyer les fonds le long des quais éboulés et rétablir les souilles à leurs anciennes profondeurs. Toute une armée d'engins fut mise en œuvre. Grues, grappins, dragues fouillèrent la vase qui encombrait les bassins. Actuellement encore, ce crapaud géant, à chaque plongée de baie, enlève 10 tonnes de sable et de vase. Les hurlements de cette prodigieuse usine tournante pour sauter sur une des dragues qui, depuis 4 ans, grince et gémissent jour et nuit afin de rétablir le libre accès au port à toute heure de la marée pour les plus grands navires. Le pénible travail de ces rudes hommes est souvent rendu dangereux par l'apparition soudaine dans un godet du nez pointu d'une bombe. Aujourd'hui, après tant d'efforts, la passe dégagée s'ouvre vers le large et dans l'avant-port, auprès des remorqueurs, le nouveau bâtiment du sémaphore dresse dans le ciel l'antenne de son radar qui explore le grand large. Outre des installations téléphoniques et radiotéléphoniques, réalisé d'après la technique la plus moderne, l'officier de port dispose en effet de ce poste de radar qui permet par tous les temps de suivre sur un écran le mouvement des navires jusqu'à 60 km en mer. Le radariste vient de repérer sur rad un navire attendu. Le Santa Rita fait route. Allô Santa Rita, ici François, j'écoute. Mais le Santa Rita que nous retrouvons à l'extrémité du bassin Bello va pénétrer dans une... Il y franchira la séparant l'eau de mer de l'eau douce, les bassins à flot, des bassins à niveau constant. De l'autre côté de ce pont, le bassin Vétillard semble concentrer tout le trafic. C'est en effet le cœur actuel du port. D'immenses hangars s'étendent le long de ses quais. Le Havre avait perdu les 3/4 de ses installations de stockage. Sévèrement endommagé, le fameux hangar au coton, le plus grand du monde, est reconstruit. Sa superficie est de 6 hectares. Comme par le passé, il peut tenir à l'abri son énorme contingent de balles de coton. D'abord, ce bateau blanc au profil de yacht vient livrer sa cargaison de bananes. Une partie sera directement chargée dans des wagons, le reste entreposé dans les nouveaux docks frigorifiques. D'énormes billes de bois sortent des cales des cargos. Le Havre a repris pour l'importation des bois coloniaux sa place d'avant-guerre, la première en Europe.
Chaque grume est pesée, marquée, puis entreposée sur le terre-plein du quai ou directement transportée dans les chantiers de la ville. Ces forêts empilées offrent un choix extraordinaire d'essences précieuses dont la gamme s'étend sur plus de 300 variétés. Les six portiques, servant à la manutention des bois, représentaient avec une unique grue de 2 tonnes tout ce qui restait des 300 engins de toutes espèces composant l'outillage du port. Or, la presque totalité de cet outillage est maintenant reconstituée. Mais le Santa Rita nous entraîne plus loin pour découvrir d'autres navires débarquant ce que l'on nomme les produits divers. Café, sucre, rhum, farine, céréales, viande, latex, produits chimiques, métaux, tracteurs, la simple énumération serait interminable. Ces énormes caisses contiennent des machines-outils. Toutes ces marchandises représentent un trafic pour l'année 1948 de 2 millions de tonnes. Au-delà d'un pont basculant, le pont 5, qui fut également reconstruit, le Santa Rita pénètre dans le garage de Graville, bien garni de péniches. Le trafic fluvial, repris le 20 mars 1945, a déjà dépassé le tonnage d'avant-guerre. À tribord, un élévateur entraîne des arachides vers les silos d'une huilerie réputée, relevée de Servine. Ailleurs, une installation pour la réception des huiles végétales en vrac a été montée en 9 mois sur l'emplacement d'anciens blocos. Ce trafic récent prend chaque jour une importance croissante et de nouvelles citernes se construisent pour le stockage. Engagé dans le canal de Tancarville, le Santa Rita va toucher au quai du Rhin. Cet ouvrage, aménagé après la libération dans les moindres délais, peut recevoir à la fois 4 Liberty Ships à pleine charge. Son équipement le spécialise dans la manutention des ponts des rues. Dès maintenant, il est capable de recevoir 2 millions de tonnes de charbon par an. La cargaison des navires est déchargée simultanément dans des wagons par les puissantes grues de 15 tonnes du quai et dans des péniches par les engins de manutention du bord. L'évacuation se fait donc par voie ferrée et par voie d'eau. Au canal de Tancarville, nous avons suivi ce train de péniches jusqu'en Basse-Seine pour visiter une usine géante. Incendiée en 1940, cette raffinerie de produits pétroliers a dépassé en 3 ans sa capacité de production d'avant-guerre.
c'était Vauprix, réservoir, toutes ces colossales installations, par un simple tuyau sortant de terre au milieu des fleurs, vont puiser leur vie au cœur même du port, dans le flanc des navires. Le Havre est redevenu, sans conteste, le port pétrolier le plus important et le mieux équipé de France. Sur des terre-pleins jadis hérissés de blocos, les concessionnaires ont réalisé une des plus grandes bases de réception des pétroles bruts et des produits raffinés. Les réservoirs relais, situés à proximité des postes spécialisés pour la manutention de ces produits, permettent un trafic annuel de 7 millions de tonnes. Dans le crépuscule naissant, la cloche du pont 3 sonne l'arrêt du travail. Ces ouvriers, qui peinent si courageusement depuis 4 ans pour la grandeur de leur port, retrouvent encore, chaque soir, dans les ruines de la ville, de bien pauvres foyers. Des misérables baraques du camp François Ier, une ville nouvelle sort de terre. Désigné comme architecte urbaniste du Havre, le maître Auguste Perret a conçu un grandiose projet de reconstruction. Sur l'immense plateforme, jadis encombrée de ruines, de larges avenues tracent l'épure de la future cité. Au début de la nouvelle rue de Paris, quatre blocs de bâtiments dressent dans le ciel leurs 10 étages de façade. Une ville bien armée pour affronter les siècles à venir, harmonieusement adaptée à la fonction portuaire du grand établissement maritime est en train de naître par la calme, puissante et féconde volonté créatrice des Havrais. La nuit peut lentement s'étendre sur leur fatigue. Dans leur cœur, l'espoir est devenu une certitude. Chaque nouvelle aurore apportera un nouveau signe de gloire pour le port et du travail à ces milliers de dockers appelés par la cloche d'embauche sur la place Léon Carrier. De la nouvelle gare maritime, des dockers se transforment en porteurs. Comme avant guerre, les grands liners de l'Atlantique Nord sont revenus au Havre. L'América se range le long du quai Johannes couvert et jette sa passerelle, alors que le New Amsterdam s'éloigne dans le grand bassin de marée.
Maître de Grâce est aussi revenu. Escorté par la vedette de la police, il vient prendre sa place et s'amarrer auprès de l'Américain. On peut voir ces deux grands paquebots accostés simultanément devant la nouvelle gare maritime. Aménagée sous un simple hangar, elle offre un exemple unique de confort et de goût. Les passagers ont quelques pas à faire pour retrouver leur voiture ou le train spécial transatlantique. Dans le vaste hall qui suit la salle des douanes, il dispose de toutes les facilités désirables. Téléphone, télégraphe, service de renseignement des chemins de fer, office de tourisme, bar, restaurant, fleurs, journaux, et tout ceci dans un cadre élégant où le souci de la décoration a été poussé très loin. Une autre gare maritime, de taille plus réduite, sera prochainement achevée sur le quai d'escale. Et toujours dans l'avant-port, au quai de Southampton, le terminus de la ligne Havre-Southampton a reçu des aménagements confortables. Le Havre est sauvé. Les artisans de cette étonnante renaissance peuvent suivre avec amour et fierté le départ de Notre-de-Grâce. Par-delà l'océan, ces joyeux pavillons porteront au monde le magnifique message de volonté des Havrais. Bon voyage de grâce.